Bon, après, on te dit, enfin, je te dis de nous parler. Bon, gars, ça va. Allô? Je suis en direct, je te rappelle. Ok. Salut les amis, salut. D'ici 30 secondes, on commence. Ok, je pense qu'on va commencer. Hein. Ceux qui vont venir voir après vont venir voir après. Bon, voici ce qui se passe. Hein. On va aller d'abord dans le point, on va regarder la vidéo originale.
Bon, jusque-là, rien d'anormal. Pas intéressant. Ils entrent dans l'ascenseur. Et puis, on va voir comment ça se passe après. Ok, c'est à partir d'ici que ça devient intéressant. Je pense que ici, tout est toujours normal. Je ne vois rien, je n'ai rien vu de suspect. C'est ici que ça se, c'est ici que les choses commencent. Là où le grand-père apparaît. Ici. Bon, on va noter simplement, je ne sais pas si c'est assez grand. Bon, je vais vous montrer certains éléments qui permettent de savoir que cette vidéo, la partie de cette vidéo est fausse, est truquée. Regardez comment il avance. Regardez ce qui se passe ici, au niveau de la tête. Je vais agrandir cette image. Regardez bien ce qui se passe au niveau de la tête. La tête, le corps est devant et la tête est derrière cet espace marron. Ça veut dire que c'est le logiciel qu'ils ont utilisé n'a pas pu corriger ça. Quand l'image est rapide, vous ne pouvez pas voir ça. Mais quand c'est lent, on va à notre vitesse, on voit bien que sa tête passe derrière. Derrière la porte ou bien le truc marron qui est là-bas, je ne sais pas si c'est une porte ou un rideau. Donc voilà les erreurs qu'ils ont faites. Vous allez encore voir à ce niveau, il va encore passer derrière. Voilà sa tête qui est amochée, à moitié. Ici vous voyez bien comment sa tête passe derrière, le corps est devant. Ici il y a un mélange de couleurs. Ça veut dire que le logiciel a mélangé à la fois la couleur de la veste et la couleur de la porte. Donc vous allez regarder la main. Je vais un peu zoomer ici. Pour que vous regardez bien. Et vous voyez comment la tête est mélangée avec la porte. Ça veut dire qu'il y a eu. Ça n'a pas pu corriger ça. On va continuer. Vous voyez, regardez bien. Regardez bien. Comment la tête sort de la porte. Ce sont les erreurs de logiciel ça. Donc, regardez, vous voyez le pot de fleurs ici. On va continuer. Regardez ce qui se passe au niveau du pot de fleurs. Le pot de fleurs est derrière, est censé être derrière la tête du grand-père. Mais regardez. Le pot de fleurs qui est derrière la tête, coupe la tête du père, du grand-père. Regardez bien. Là, les cheveux noirs. Regardez bien les cheveux noirs là. Je vais avancer. Regardez comment sa tête passe derrière les fleurs. Devant les fleurs coupent sa tête. Regardez comment les fleurs qui sont supposées être derrière mais se retrouvent en train de couper la tête du grand-père. La main, on ne la voit plus bien. Et tout ça, ce sont des images qui sont mal prises, qui n'ont pas été bien corrigées. Regardez ici comment le bas de la table ici est en cacophonie, est une bizarre cacophonie avec le reste. Regardez les couleurs, elles sont bizarres. Ce sont des logiciels qui n'ont pas réussi. On va continuer. C'est toujours en bas de la fleur. Maintenant, les cheveux apparaissent un peu. Vous voyez comment les cheveux apparaissent un peu maintenant. Là, c'est complètement mélangé. Regardez là-bas comment la tige de la fleur là est presque devant sa tête. Pourtant, c'est lui qui est devant. Regardez la tige de la fleur ici.
considérer d'une idée. Il y a plein de détails là. Regardez ici, la main et la main, ici et ici. Voilà, regardez comment sa tête disparaît ici sur l'image. Regardez comment sa tête disparaît. On voit bien la porte, que la porte n'a pas pu, le logiciel n'a pas pu reconstruire sa tête ici. Et directement, cette sorte de rideau ou bien de porte efface sa tête et on la voit qu'à moitié. On va continuer. Il y a plein d'éléments, énormément. Il a fait venir l'ambassadeur. Regardez bien qu'avec l'ambassadeur, il n'y a pas tellement de problèmes d'image. Il y en a quelques-uns, mais ces problèmes ne sont pas supposés exister. Parce que si on regarde depuis le début, vous allez voir que ce n'est que cette partie où il rencontre le président, le grand-père, le président de Kim, où il y a un problème. Observez bien. Ici, c'est un flash de photo. Comme vous voyez la couleur, la décoloration ici, vous allez voir. Un flash de photo. Possiblement, je n'ai pas l'assurance. Donc, ces images ont été extrêmement travaillées. Extrêmement travaillées. Donc, regardez ici, la porte encore, c'est l'image de Paul Biya qu'il faut surtout, se concentrer sur l'image de Paul Biya pour voir les erreurs du logiciel qu'ils ont utilisé pour faire ça. Là, il est la tête encore dans la porte et vous allez voir au moment de s'asseoir. Regardez bien cette image. Comment le logiciel n'a pas pu reconstruire sa tête. Donc, ils ont pris une image d'avant et ils ont jumelé avec une image récente. Ils ont fait plein de montages. Regardez bien comment sa tête, la tête du grand-père, disparaît ici. Et du coup, soudain, ça réapparaît. Regardez bien, il faut observer. Ça disparaît derrière le fait. Et ça réapparaît. Là, tout est normal. Je rentre encore. Il disparaît, la tête disparaît. Ça réapparaît. Regardez ce qui se passe quand il s'assoit. Tout ça sont les problèmes de reconstruction d'image. Ça n'a pas été bien reconstruit par leur logiciel. Ils sont tellement bêtes, c'est ordinaire. Ils ne méritent pas de gouverner ce pays. Même si un simple faux les dépasse. On a pris 15 minutes pour trouver ces bêtises. Et c'est tout. Et tout ça, ce sont les raisons pour lesquelles ils n'ont pas voulu montrer
des vidéos de cet homme en train de parler ou quoi que ce soit. Ils ont seulement montré le strict nécessaire. Ils ont fait leurs erreurs. Et du coup, on focalise sur l'ambassadeur et c'est là où on lui a pris la photo dans cette position. Et après, on fait encore un focus sur le grand-père Sardina. Regardez. Voilà ce que ça a donné ce focus. Mais quand on passe la vidéo rapidement, vous ne pouvez pas trouver ces erreurs de logiciel. Regardez aussi ce qui se passe ici. Ces deux images. Tout ça sont les erreurs de logiciel. Regardez là derrière. Les trucs carrés là. Les traits qui sont clairs ici. Entre deux images, ça disparaît. Regardez comment ça apparaît. C'est là, ça apparaît. On va dire que ça apparaît, ça vient d'où? Tout ça sont des erreurs de logiciel, la reconstruction d'image. Regardez bien comment le truc ci derrière apparaît presque devant lui. Pourtant, c'est lui qui est devant. On va regarder ça. Vous avez une meilleure image ici. Voilà. Voilà ça. Et voilà. Et la boîte ici derrière, qui est supposée être derrière lui, est presque devant lui. Ça coupe son épaule. Et on a tous vu les gestes ici, il les fait tous les temps. On les connaît, rien de surprenant, rien. À part tous les petits détails que j'ai montrés jusque là. Regardez bien comment ici, la boîte efface sa face. Image mal reconstruite. Digne de Soulard Sardina. En fait, parce que cette vidéo a été tellement travaillée, inclut la photo qu'ils ont faite, que plutôt on avait trouvé un problème au niveau du masque de ce monsieur avec l'oreille qui disparaît. Tout ça c'est parce que les vidéos sont énormément travaillées. Et ici, curieusement, vous n'allez plus voir ce problème parce que ça sont des vidéos originales. Vous n'allez plus voir ce problème de mélange d'images, de ceci, cela. On voit bien que l'ambassadeur passe devant le mur, il n'y a pas de problème. On voit tout le corps, on ne voit rien venir devant sa face. Tout est normal. Les deux marchent normalement. On ne voit rien qui apparaît devant lui. Donc voilà donc ce qui se passe. Ça c'est une vidéo originale non éditée. Et ça saute à l'œil. Il n'y a rien qui apparaît sur la bille du monsieur. Rien. C'est vrai que ça a été un tout petit peu travaillé, mais ça n'a pas assez de détails pour nous permettre de... Parce que c'est pas intéressant pour nous. Ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe avant. Je vais encore rentrer. Le grand-père Sardina ne doit pas nous échapper. On va encore bien regarder une dernière fois parce qu'il faut que chacun qui tient d'ici là doit avoir vu au moins une deuxième fois. Je vais poster quelques photos plus tard de ce qui se passe. Et si vous regardez bien, ce monsieur rit sur la photo qu'on nous a présentée la première fois, il est en train de rire. Parce que normalement tout cette sérénité doit être très amusant. Ce qui se passe, c'est qu'il a fait toute cette comédie trop bien. Personne n'était devant lui. Il n'y avait personne. On a fait et puis on a pris une ancienne image de Paul Biya et les gars ont commencé à travailler dessus. Il n'y a aucun crime parfait. Il faut juste fouiller, il faut chercher, il faut fouiller. On va regarder tout ça encore depuis le début.
toutes les images qu'on ne vous montre pas. Il faut vous poser la question pourquoi on ne vous montre pas ces images. Parce que on le montre à partir d'ici, mais ça montre c'est bien probable qu'il vient d'une. Qu'il sera en train de venir d'une porte à l'extérieur, d'une de ces portes-là ou bien du couloir qui est derrière. Mais on choisit de le montrer à cet endroit parce que sur la reconstruction depuis là-bas devait être très flagrant. Donc ils estiment qu'ils ont fait le meilleur d'eux-mêmes ici, mais c'est mieux. Donc continuons. Et ça c'est le premier point que j'ai noté. Là où la porte marron s'y apparaît devant sa face. Ça ne peut jamais se passer comme ça. Vous voyez bien comment son habit change, ça prend la couleur de la porte, la tête est la porte est devant la tête est devant la porte, moitié-moitié. Dinda revenant, et là il est dans la porte, là il est dans le marché marron là. On va zoomer, on va bien voir. Regardez. On peut encore zoomer. Regardez. Voilà notre soi-disant président. On continue. Tout ça, c'est toujours le mélange avec la porte. Je vous ai parlé de la fleur sur Pluto. Regardez bien ce qui se passe avec la fleur. La fleur est derrière pour l'instant. On voit bien la tête du président. On va zoomer, on va bien regarder. On voit bien sa tête ici avec les cheveux noirs et tout. On continue. Et du coup, la fleur couvre la tête. C'est un genre de magie. La fleur, voilà la fleur là-bas. Et du coup, ça coupe la tête qui est devant. Voilà, la tête passe. La fleur coupe la tête. Et du coup, la tête réapparaît. Regardez bien. Voilà ça qui est coupé. Puis la tête réapparaît. Puis la fleur qui est derrière apparaît la tête. Voilà la feuille qui est devant et voilà la tête. Ça, c'est juste ça, regarder le corps et les pieds et tout et tout. Parce que là-bas, il y a encore le travail. On regarde seulement la tête. Comment la tête. Et regardez bien ici au niveau de cette porte, la tête entre dans la porte. Magie. Voilà la tête de Bia dans la porte. Voilà les images qu'on nous sert, qu'on porte nous gouverner avec. Regardez bien, les cheveux sont hauts. Voilà les cheveux loin derrière. Regardez les pieds ici. Qu'est-ce qui se passe au niveau des pieds? Puis là, l'ambassadeur, il vient. Tranquillement, faux père, faux gars, frère, frère, Mussolini.
Am un vapor. Ici, il apparaît soudainement. Disons qu'on arrive à ne pas le remarquer, mais on voit bien que le bois est mélangé avec la face, les traits apparaissent, les traits, les traits, les traits, c'est des traits qu'on ne voyait pas avant.